Beau matin à toutes et tous, on se retrouve eh bien pour le message, la guidance intemporelle de ce mercredi 11 septembre 2024. Il est évident que lorsque on arrive au 11 septembre, eh bien ça nous replonge en arrière avec ces attentats, n'est-ce pas? Tous ces morts, voilà, on a une pensée pour eux. Alors, avant de commencer, petite philosophie de ce matin, douceur. Quand on a connu le malheur, eh bien le bonheur retrouve sa vraie saveur. Une indicible douceur. Que ça fait du bien la douceur, n'est-ce pas? Voilà la petite pensée de ce matin. Alors n'oubliez pas, posez votre question. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai pigé le poison. Ah, y aurait-il de la trahison dans l'air pour certains d'entre vous? Y aurait-il de la tromperie? Y aurait-il de la prudence à avoir? Est-ce qu'il y aurait une menace ou une culpabilité? Le poison est une métaphore des éléments et relations toxiques de votre vie. Les éléments négatifs évoqués sont difficilement perceptibles et minent votre quotidien. Le poison est généralement, eh bien, le symbole qu'un changement doit être apporté pour retrouver la pleine harmonie. Est-ce que vous auriez dans votre entourage des personnes négatives? Alors cette carte, elle peut indiquer, n'est-ce pas, la présence d'une situation ou d'une personne toxique dans votre vie qui est un danger pour votre être. C'est vraiment un danger pour votre bien-être. Et cette carte, elle signale qu'il y a une situation où peut-être que vous êtes victime de tromperie ou de trahison. Eh bien, cette carte, le poison, vous conseille de faire preuve de prudence. Et peut-être, eh bien, de remettre en question les motivations et les intentions des personnes qui vous entourent. Et cette carte, elle vous invite aussi à évaluer les personnes qui sont autour de vous, qui sont négatives, de les éloigner. Il faut que vous vous éloigniez de cette personne ou ces personnes qui sont toxiques pour vous. Il faut vous éloigner de ces personnes qui ne vous soutiennent pas. Ou alors, peut-être, qui vous tire vers le bas. Ça peut être, point de vue professionnel, sentimental, personnel, amical. Maintenant, si c'est sentimental, eh bien, il y a une grande décision, il y a des grandes décisions à prendre. Il est grand temps que vous preniez conscience que cette personne est néfaste pour vous. Et elle est néfaste de cette influence qu'elle a sur vous, sur votre vie. Donc il y a des décisions à prendre. À votre question, eh bien c'est non. En fait, le nom, il vous dit, il est temps que vous vous concentriez sur la
purification et la guérison avant de pouvoir obtenir un résultat positif. Donc, il y a des personnes dans votre entourage qui sont toxiques. Il y a des personnes ou une personne qui vous a trahi. Il y a une trahison, il y a des tromperies. Surtout, il ne faut pas vous culpabiliser parce que ce n'est pas vous qui êtes en cause. Mais là, on vous demande la prudence. On vous demande, eh bien, de bien réfléchir à ce que vous vivez. Et regardez autour de vous, quelle est la personne ou les personnes qui ne vous conviennent pas. Maintenant, si c'est dans votre relation, là, il est grand temps, peut-être, de prendre une grande décision. Vous seul savez ce que vous vivez présentement. Donc, vous seul pouvez comprendre ce que là, je suis en train de vous dire. Il y a trahison, il y a tromperie. Là, cette carte, elle vient vous dire, pardon, d'être prudent. Voilà. C'est un avertissement, cette carte. Maintenant, vous avez le libre arbitre, encore une fois. Hein? C'est vous qui avez le libre arbitre. Cette guidance, pardon, elle est juste là pour vous avertir qu'il y a un danger ou qu'il va y avoir un danger, n'est-ce pas? Vous seul savez. Allez, je termine avec le petit oracle des anges gardiens. Et j'ai pigé froid. Sois ouvert à toutes les possibilités, à toutes les opportunités. Abandonne les idées préconçues. Il n'y a rien à craindre. Tu es entouré d'amour en permanence. Commence par croire en toi et en ton intuition. De merveilleuses opportunités se manifestent pour peu que tu fasses preuve de souplesse et que tu gardes ton cœur et ton esprit ouvert. Aie foi en toi, tout est possible. Alors, oui, ayez foi en vous, prenez les bonnes décisions. Et ce qui ne vous convient plus, laissez partir. Voilà le message intemporel, cette guidance intemporelle de ce mercredi 11 septembre 2024. Je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien. Et moi, je vous dis à demain et je vous embrasse. À demain.